Tiens, c'est quoi ça? Acarène clavicette purpurée ergo Viviane. Vous n'avez pas avalé votre cachet, monsieur Simonetti. Je les ai vus, ces démons, j'ai vu les démons. Ils sont partout. Démons. 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 Des démons. Sainte mère, mère de Dieu, sainte mère de Calmez-vous un peu, monsieur Simonetti, on va être obligé de vous faire une piqûre. Non. Vite, venez. C'est la Vierge Marie qui m'a dit qu'elle allait veiller sur moi. La Vierge Marie veillera sur moi. Allez, allons-y. Non, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Vous ne comprenez rien du tout. Oh, cette mère, ils vont arriver. Ne vous en faites pas, monsieur Simonetti. Vous irez beaucoup mieux demain. Je vous le promets. Non. Sympa la journée, pas vrai? N'en parle pas. Il n'y a jamais eu autant de monde depuis facilement Noël dernier. C'est pas vraiment surprenant. Ce soir, c'est la pleine lune, et en plus, il y a une éclipse prévue. Ça a le don de les rendre cinglés. C'est sûrement ça, vu l'excitation de certains. Mm-hmm. Aujourd'hui, j'en suis à 3 urgences. Ce soir, ils sont comme déchaînés. J'ai eu le cas de cette femme qui est sortie à poil en criant « Baisez-moi, baisez-moi !» Alors tu t'es portée volontaire? T'es folle! Elle avait plus de 75 balais. Oh. Je m'en remets à votre générosité. Donnez-leur un peu d'espoir. Aidez-nous, aidez nos enfants. Je viens d'apprendre que Viviane Lee s'est suicidée dans le métro cet après-midi. Merde! Comme tu dis. Dire que je m'étais opposée à la décision du docteur Lamont de la laisser sortir, elle avait encore ses bouffées délirantes. Oui, je sais bien, mais il disait qu'on manquait de lit et que son cas ne présentait plus de danger pour les autres. Oh, Seigneur! Hé, c'est pas ta faute. Tu n'as fait que ton job. Tu n'as pas à t'en vouloir et la vie continue, ma petite Karen. On se voit demain. À demain. Dr. Blair, Dr. Jameson, Dr. Jameson.
Je m'en remets à votre générosité. Donnez-leur de l'espoir. Karen, ils vont bientôt révéler leur existence, Viviane. Excusez-moi, docteur. Ils vont bientôt révéler leur existence. Salut. Hey, c'est à toi que je parle. T'aurais pas une clope ? Non, désolé. Oh, allez, quoi, juste une seule cigarette. Écoutez, j'en ai pas et en plus je fume pas, d'accord ? Oh, faut pas avoir peur du cancer du poumon. Il faut profiter de l'instant présent, chérie. Carpe diem, comme on dit. Car on sait jamais ce que nous réserve le lendemain. Tu lis quoi, dis ? Gardez-le, je l'ai déjà fini. Hey, c'est quoi ton nom ? Oh, et puis c'est pas grave, j'ai pas besoin de le savoir, je le sais déjà. C'est moule farci. Oh, Sandy, j'ai failli pas te reconnaître. Eh ben, ça pour une surprise, c'est toi. Derek ? Comment ça va ? Ça fait si longtemps qu'on s'est pas vu. Ça, ouais. Merci. Quel sale con. J'ai vu, mon trouillomètre s'est emballé dès que j'ai vu sa tronche. Ton quoi ? Mon trouillomètre. Il me sert en quelque sorte à repérer les connards. Les dingos. Et plus généralement, toute autre forme de vie que je ferais bien mieux d'éviter. Je sais que ça a l'air débile, ça n'a rien d'ésotérique. En fait, j'arrive à ressentir les gens qui ne sont pas... très nets. Fallait pas vraiment avoir un talent spécial pour voir que Struduc était un vrai taré. Ouais, c'est clair. Mais, tu sais, ça m'a déjà servi à plusieurs occasions. Écoute, et ça me rappelle la fois à l'université quand ce gars m'a... Excuse-moi, je veux juste... Il faut que je... Tout ça, ça m'a un peu perturbée, tu comprends ? J'ai plus très envie de discuter. Tu m'excuses ? Encore merci pour ce que tu as fait. Enfin, tu vois... Oh, c'est normal, je comprends. Il n'y a pas de souci. Ouais. Peut-être que je vais rester pas loin, juste au cas où il reviendrait t'embêter. D'accord.
Tout va bien? Je vais bien. Eh bien, enchanté. Sandy? Je suis désolée. Karen. Et moi, Mike. Eh bien, merci beaucoup, Mike. Ce fut un vrai plaisir. Génial, j'ai rien compris du tout. J'ai cru entendre quelqu'un crier. Ah, c'était rien, c'est moi. Je me suis fait peur toute seule. Désolée, je t'ai foutu la trouille. Je voulais voir si ça allait. Tu es sûre que tout va bien? Ça va mieux. T'en fais pas, je suis émotive. Ouh. T'as compris quelque chose à l'annonce? Non, pas un mot. Comme moi. On devrait les forcer à écouter ce qu'ils disent. Depuis que le métro existe, tu crois qu'ils ont pensé à remplacer leur système de com? Je crois pas. Tu m'étonnes. T'as pas entendu? Non. Entendu quoi? J'ai cru entendre ce sale type. T'entends? Il recommence. Là, oui. Oh, bonjour! J'espère que je ne vous interromps pas en plein crac-crac, mais je me sentais un peu seule dans mon grand wagon. Vous avez bien fait, venez avec nous. Oui, comme on dit, plus on est de fous. Mesdames, messieurs, veuillez rester à vos places et veuillez garder votre calme. Il semblerait que quelqu'un ait appuyé sur le bouton d'arrêt d'urgence. Cela peut être lié à un dysfonctionnement ou probablement être l'œuvre d'un présentateur. Nous allons procéder à une vérification de routine et repartir dans 3 minutes. Merci. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Départ dans 3 minutes?
Oui, un truc dans le style. Dieu soit loué. Je n'étais pas trop rassurée. Il me semble avoir entendu de drôles de voix à l'extérieur. J'ai vu un homme marcher sur la voie. Oh, fais chier. Peut-être un agent de sécurité. Oh non, je ne pense pas. Une jeune fille était avec lui. À quoi elle ressemblait? Oh, oh, merci mon Dieu. Oh, excusez-moi. Tu vois quelque chose, toi? Je suis pas sûr. La saloperie! Écoutez, madame, vous allez poser ce couteau maintenant. Vous ne voudriez quand même pas blesser quelqu'un d'autre, dites-moi. Oh, pardon. Pardonnez-moi, c'est pour votre propre salut, les enfants. Vous ne voulez pas être sauvés? Madame, posez tout de suite ce couteau. J'ai vu les signes. Maintenant, le jour du jugement dernier est finalement arrivé. Mes frères et mes sœurs, entendez la voix. Dieu est espoir et Dieu est amour. Alléluia! 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 Let's form a choir, let's jump into the pyre. Bring on the witches, bring on the saints, 'cause tonight we're gonna burn in Saint Anthony's fire. Salut. Salut. Ça te dirait de te faire un peu de fric? Non, je crois pas. Allez, c'est peut-être ta dernière chance de t'éclater. Dégage, tu veux bien? Mauvaise réponse. Quel connard. Merde. Je sais bien, ouais, c'est encore un peu tôt. Mais déjà, quand j'étais petit garçon, j'arrivais pas à attendre le soir pour ouvrir mes cadeaux de Noël. À chaque fois, il fallait que je les ouvre avant. À chaque fois, c'est comme ça. Donc, si tu n'y vois pas d'objection, je vais déballer mon joli petit cadeau. Pas plus tard que maintenant. Non! Mesdames, messieurs, restez à vos places et veuillez garder votre calme. Il semblerait que quelqu'un ait appuyé sur le bouton d'arrêt d'urgence. Cela peut être lié à un dysfonctionnement ou probablement être l'œuvre d'un plaisantin. Nous allons procéder à une vérification de routine et repartir dans 3 minutes. Merci de votre coopération et merci de garder votre calme. Oh, bien au contraire, mon pote. Prends ton temps. Il ne nous manque plus que les bougies. Allez, quoi. Il n'y a personne à part nous. On va peut-être être coincé ici un bon bout de temps. Écoute, je me sens pas prête. Oh. Oh. Ah, qu'est-ce qui te prend? On le fait. Ah, j'ai compris, tu veux juste m'allumer. Ne me dis pas que t'as plus envie. D'accord, ok. Je sais pas si on aura assez de temps pour finir de... Si tu commençais par arrêter de bavarder et que tu t'occupais de moi. J'arrive pas à croire que j'ai dit ça. Je m'attendais pas à ça.
avez besoin d'aide? Non, merci bien. Restez assis à votre place. Je n'en ai que pour une minute. Frères et sœurs, entendez la voix. Dieu est espoir, Dieu est amour. Il y a un problème ici? Non, monsieur, aucun problème. Pourtant, il me semble bien que quelqu'un a actionné l'arrêt d'urgence. Alors? C'était moi. C'était juste une blague. Bah, comment ça, une blague? Une blague? Vous savez que je devrais vous dénoncer à la police. Ce que vous avez fait est strictement interdit. Je devrais même vous infliger une amende de $500 pour ça. Je suis vraiment désolée, monsieur. Bon sang de gamin. Bon, allez, ça va pour cette fois, mais ne recommencez plus jamais, c'est compris? Alors je vous conseille de bien vous tenir à carreau jusqu'au terminus, compris? Après, vous pourrez faire ce que bon vous semble. J'étais assez clair? Oui, monsieur. Sûr? Sale gamin. Alors, bébé, t'as entendu le monsieur? Plus aucune bêtise jusqu'à ce que l'on arrive à notre terminus. On peut faire un jeu de mots. Tu vois pas, le terminus, ça rime avec ton nanus. J'ai jamais joui aussi vite de ma vie. Ça m'est égal. C'est une soirée tellement spéciale, John. Je pouvais pas rêver plus romantique. Sarah, tu es... incroyable. Tu sais, mes amis m'ont mis en garde comme quoi je n'arriverais pas à conclure avec toi, à moins de t'épouser. Mais j'ai su tout de suite qu'il y avait une tigresse en toi qui ne demandait juste qu'à être réveillée. Allez, viens. Allons-y. Oh, attends. Tu veux aller où? Faire un tour sur la voie. T'es sérieuse? Oh, Lou, tu m'as dit que tu l'avais déjà fait. Super. Attends. Votre attention, chers passagers. Nous sommes désolés pour toutes ces perturbations. La ligne va bientôt être remise sous tension. Et nous reprendrons votre route dans 3 minutes. Une nouvelle fois, merci pour votre patience. Et nous vous souhaitons une excellente soirée. Ben, c'est pas trop tôt. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il a dit? Je crois qu'il a dit qu'il n'y en aura plus pour très longtemps. Qu'on devrait repartir dans 3 minutes environ. Ah, merci. Le bout de la ligne! C'est le foutu terminus! J'en reviens toujours pas d'avoir vu le révérend en personne ce soir. Oui, mais on crevait de chaleur là-dedans. Ah! Enfin. Ouf. Ça doit être sûrement une erreur. Non, au contraire, Jerry. Ça veut dire que c'est l'heure. Non, non, attends, je t'en prie. Attends une minute, c'est trop sérieux. On doit attendre d'être au terminus pour appeler quelqu'un. Oh, ça non! On y est déjà. On n'a plus le temps. C'est maintenant ou jamais. Allez, on y va. Allez, Lula. Oui, Davis, est-ce que tu me reçois? Ouais, je t'écoute. C'était une gamine, elle a actionné le bouton d'arrêt d'urgence. Je devrais pouvoir partir dans 2-3 minutes. Putain de journée, hein. D'abord le suicide et maintenant ça. Eh, m'en parle pas. Non! Non!
Tu m'excuses. Surtout, ne bouge pas. Parfait. Ça y est, ma belle. C'est Noël. Ah, oh, putain! Attends! Voilà. Faut mieux retourner au wagon. Ah oui? Oh, attends. Qui c'est? C'est qui? C'est rien. C'est qui? Tes parents? Non. John! Tu comprends pas. Ok, ça va. La carte tournée à l'intérieur. Non! Non, on doit partir d'ici, on doit y aller, il faut sortir d'ici! Putain de journée, hein. D'abord, le souci n'est pas pour ça. Désolée, je ne suis pas intéressée. Désolée, mais je ne donnerai rien aujourd'hui, d'accord? Ah ouais, m'en parle pas, on aura bien d'autres belles journées que celle-là. Hé, hey, vous pouvez pas... Ah, que Dieu leur pardonne. Dieu est amour. Dieu est amour. Et d'amour. Ah, oh mon Dieu. Enfin. Hé. Hey. Hé hey, les gars, vous faites quoi? Oh putain, t'es fêlé. On a besoin de ton aide. Il nous reste tant d'autres âmes à sauver. Ron, Steven, pour l'amour du ciel, arrêtez. Notre révérend, je crois qu'il a perdu la tête. Allons, frère Jerry, aurais-tu perdu la foi? Non. Serais-tu en train de remettre en question un ordre de notre grand maître? Tu risques l'exclusion. Steven, qu'est-ce que tu... Qu'as-tu, frère Steven? Steven, qu'as-tu? Jerry! Jerry, aide-moi, il est possédé! Ron! Ron! Tu as tué le frère Steven! Je n'avais pas le choix. Il était possédé. Il fallait le faire. Je n'ai pas eu le choix, il fallait bien que je le sauve. Jerry, j'ai besoin que tu sois encore plus fort. Frères et sœurs, entendez la voix. Dieu est espoir, Dieu est grâce. Frères et sœurs, entendez la voix. Dieu est... Hé, c'est interdit d'être sur les voies. Vous êtes dingue. Vite, appelez les flics. Quoi? Sauvez-les, mes enfants, sauvez-les. Parons-nous vite. Attendez! Vive par ici! Allez! Vite! Les voilà! Fermez! Putain, mais qu'est-ce qui se passe? Téléphonez aux flics, maintenant! Personne n'a de portable? Y a pas de réseau. Putain.
Est-ce que la porte est solide? Ouais. Je l'espère. Oh, génial. Écoutez-moi, mes enfants! Si vous voulez accéder au royaume des cieux, vous devez ouvrir cette porte pour nous permettre de réaliser l'œuvre du Tout-Puissant avant que le jugement dernier ne s'abatte sur vous. Mais c'est quoi ces zombies? Ils sont fêlés, ces connards! C'est votre dernière chance! Accueillez en votre cœur votre Dieu et je vous promets que vous serez sauvés! Sinon, vous brûlerez en enfer! Écoutez, sorcière, on ne sortira pas d'ici, ok? La police va bientôt arriver, alors vous et vos copains, vous feriez mieux de foutre le camp d'ici. Ils sont partis. Ne bouge pas, d'accord? D'accord. Avez-vous une trousse médicale? Hé, vous m'écoutez? Il est blessé. Avez-vous une trousse de premiers soins? Je vais vous la chercher. Quelqu'un pourrait me dire ce qui se passe? Ils sont membres de l'Église de l'Espoir Éternel, alors ils ont reçu un message sur leur beeper et puis... ils sont mis à nous attaquer. Pourquoi ne pas utiliser votre toki? On doit savoir s'il y a d'autres survivants au dehors. Bernie, c'est Davis, tu me reçois? Non, c'est rien. Ça va aller, Mike. Bernie pour Davis, tu m'entends? Chier. Quelqu'un sait où a bien pu passer le conducteur? Il est mort. Quoi? T'en es sûr? Daniel, tu me reçois? Est-ce que t'as mal quand tu respires? Est-ce que quelqu'un m'entend? Daniel, est-ce que tu me reçois, mec? J'ai pas... chier, ça servit à rien, mon truc. Davis, à tous, répondez-moi. Trouillot, m'aiderai. Il y a quelqu'un sur la fréquence, bordel. On est tous mal bas. Merde. Hey, et si tu mettais la télé? C'est la radio. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont le contrôle des médias. Je suis sûr que... je suis sûr qu'ils sont partout. Vous n'avez aucune preuve de ça. Et si, les téléphones, la radio, la télé, plus rien ne fonctionne. C'est quoi encore ça? J'en sais rien. Comment tu te sens? Pas mal. Mais j'ai connu mieux. Ça va. T'es encore en état de choc. Tu te remettras vite. Je dois m'en aller d'ici. Non mais ça va pas, t'es dingue. Non. Je dois rejoindre ma famille. D'accord. Quoi, d'accord? Tu te fous de qui de lui dire d'accord? Hé! Il est hors de question de l'ouvrir. Faut que je parte, tu comprends? Écoute, mec, c'est pas parce que tu as une hache que tu dois jouer au grand seigneur, d'accord? Personne ici n'ouvrira cette putain de porte. Ça prendra qu'une seconde. Et puis, ils sont barrés, non? T'en es sûr? Et si c'est ce qu'ils veulent nous faire croire? Il leur suffit de patienter en silence qu'on tombe dans leur piège, et à la seconde où on ouvrira, bingo! J'oblige personne à me suivre, d'accord? Écoute-moi, cette porte restera fermée. J'ai inséré maintenant. Arrêtez, les gars! Ça suffit! Les gens que vous avez essayé de joindre, est-ce qu'ils ont une clé de ce local? Ouais. Et j'ai bien peur qu'ils soient morts. Ce qui veut dire que ces dingues-là, dehors, peuvent aussi tomber sur ces clés. Attendez une minute. Pourquoi est-ce qu'ils viendraient nous chercher? Il y a beaucoup plus de monde dehors. Non, mais c'est possible. Oui. Moi, je me foutrais pas un pied dehors. Vous serez pris au piège ici.
Il n'y a aucun moyen de s'échapper. Tous ceux qui veulent s'en aller n'ont qu'à partir. Les autres peuvent rester. Nous, on reste. Il faut partir d'ici. Sarah, qu'est-ce qui te prend ? Écoute, je suis sûre qu'ils vont venir nous chercher. D'accord. Elle a raison. On sera pris au piège si on reste là. J'y vais, moi aussi. Je crois bien qu'on s'en sortira pas tous. Tu dis ça parce que t'es blessé. Dès que ce sera possible, tu te feras examiner par un vrai médecin et tu seras très vite remis. Si tu le dis, t'as sûrement raison. Ouais. Plus on est nombreux, plus on sera fort. Pour moi, il est hors de question d'affronter ces maniaques. Je suis d'accord avec toi. Franck, t'es pas du tout obligé de rester avec moi ici. Je sais que tu es inquiet pour ta femme. Au fait, tu m'as pas dit qu'elle t'attendait à la prochaine station. Non, non, pas ce soir. Elle doit dîner à la maison avec ses frangins. Je m'en fais pas pour elle, je t'assure. Désolé. Écoutez, ce serait bien si l'un de vous deux pouvait nous servir de guide. Non, désolé, mec. Je préfère tenter ma chance ici. Désolé. Oui, je comprends. Très bien. Mais alors, essayez de trouver un objet qui servira à vous défendre. Attendez. Venez voir par ici. Tenez. Appelez-nous pour nous rassurer. Merci. De rien. Attendez. Ça, c'est mon passe. Je pense que ça vous sera utile. Il y a une salle de contrôle à mi-chemin de la prochaine station. Ça ouvrira la porte de la salle et celle qui mène vers l'extérieur. Si vous arrivez jusque-là. Merci de vos encouragements, Franck. Désolé. Bien, tout le monde. Vous vous préparez. C'est bon. On y va. De quel côté venait ce bruit ? On ne saura jamais. Labyrinthe, c'est dingue. Et si on allait sur la voie ? Oui, mais on sera facilement repéré. Vous inquiétez pas, ces conduits nous mènent à la prochaine station, on va y aller. Ouais, ouais, ou peut-être pas. On fait quoi s'ils nous tirent dessus ? On n'aura sûrement aucune chance. Ils n'utilisent jamais de flingues. Leur truc, ce sont les lames, les couteaux. Pourquoi vous dites ça ? Les lames symbolisent leur croyance. Pour eux, les flingues, c'est impur. Ah ouais ? Si je croise un de ces espèces de fumier, je lui exploserai le caisson. Bim ! Écoutez... Ça sert à rien de recourir à la violence. Je connais bon nombre de fidèles de l'Église de l'Espoir. Ce sont de braves gens, croyez-moi. Ils sont corrects. Mais il s'est passé quelque chose. Et si on avançait au lieu de parler, d'accord ? Ces tunnels portent nos voix. Vous avez raison. Je suis désolé. Francky, tu crois qu'on a fait le bon choix de rester enfermé ici ? J'en sais plus rien, en fait. J'arrive pas à penser clairement. Surtout le ventre vide. Tous ces derniers jours, j'ai mangé que du pain sec et quelques pauvres muffins. Du pain sec et des muffins ? Mais c'est quoi ce régime de hippie ? Tu plaisantes ? Ben, Brenda m'a dit que jeûner ne pourrait pas me faire de mal. Oh putain. Brenda, hein ? Tu ferais n'importe quoi pour elle. Attends voir, je dois avoir un sandwich. Ah, merci, Davis. Franck, tu pourrais m'expliquer ce que fait ce beeper qui sonne dans ton casier ? Hein ? Allez, Tommy, sauvons-les !
Dieu veille sur nous. Arrête d'avoir peur. Et je le dirai à papa. Hé, hey, petit. Tu ferais bien de suivre son exemple. On déconne pas. Allez, tu fous le camp d'ici. J'ai aucune crainte, car Dieu est tout puissant. Dieu est l'espoir. T'es stupide, foutu gamin. Regarde ce que tu m'as fait faire. Fais gaffe, Karen. Maman. Chut. Tout ira bien. Dieu. Dieu, j'arrive. Merde. C'était qu'un enfant. Oui, un enfant avec un putain de couteau. Écoutez, j'ai jamais voulu le... Putain, merde. John, t'as fait ce qu'il fallait faire. Écoutez-moi tous. Apparemment, rien ne peut les arrêter. Et ça va faire qu'empirer. Mais quoi qu'il en soit, ce gamin est la preuve qu'on doit tout faire pour sortir d'ici. C'est clair. Très clair. Alors allons-y. Viens. T'es l'un d'eux ? Réponds ! Non, non, tous deux, Davis, calme-toi. Davis. Ouvre ton casier, Franky. Ouvre-la tout de suite! Bon, maintenant recule. Et tu te tiens tranquille. Salopard. Exécution. Ça veut dire quoi, ce message? Tu fais partie de ces dingues? Attends, arrête! Tu sais que je ferai de mal à personne. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Écoute, je les ai rejoints il y a moins d'un an. Quand Brenda et moi, on s'est mariés. Oh putain. Tu vois, je m'en doutais bien qu'un truc clochait. Elle est trop sexy pour être avec un type comme toi. Ouais. Enfin, écoute, j'étais croyant. Mais pas vraiment le meilleur des pratiquants. Alors je me suis dit, quelle différence est-ce que ça fait? Arrête de chialer, couilles molles. Alors Franck, dis-moi ce qu'ils comptent nous faire. Je sais pas. Écoute, je me suis jamais vraiment intéressé à leur projet. Tout ce dont je me rappelle, ce qu'ils ont dit, c'est que le jour du jugement dernier, Dieu nous confierait une mission à accomplir. Et c'est ce qui ferait de nous des héros. J'en sais pas plus que ça, tu peux me croire. Je t'en prie, Davis. Tu me fous la trouille avec ce truc-là. Bon, Franck, je vais être honnête. J'ai aucune confiance en toi. Alors barre-toi. Dépêche-toi, casse-toi. Non, t'es pas sérieux, Davis, j'ai pas envie de sortir. Tu préfères que je t'expose la tête? Non. Non, pas ça, je t'en prie. Alors t'ouvres la porte. Pitié. Et tu sors. Quoi? Qu'est-ce que vous avez vu? J'ai bien cru voir bouger quelque chose. Essaie de garder ton calme, d'accord? Tu risques de les attirer en braillant comme ça. Je sais. Ce n'est rien. T'as vu aussi quelque chose? Il respire toujours. Faut qu'on le laisse ici. Quoi? Vous avez une meilleure idée? On ne peut pas l'emmener, vous avez compris? Regardez, on l'aurait blessé. John! Venez. On y va, allez, on y va. Davis, laisse-moi entrer. Je t'en prie. Parle-moi. Je suis encore ton ami, non? Ouais, c'est ce que je croyais. Mais je le suis toujours. Bill, tu m'en sois? Eric, tu m'entends? Chier. Ouvre-la. Ils sont peut-être là. Il a un besoin urgent de soins. D'accord.
Faites vite, je suis pressé de sortir. Ouais, vous n'êtes pas le seul. J'ai la clé. Ouvrez-la d'un coup. Et vous autres, tenez-vous prêts. Prêts ? Allez ! Putain de bordel de merde ! Non ! Bouge non, pas ! Non, c'est pas du tout ce que vous pensez. Non, 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 ne me faites pas de mal, je vous en prie. Regardez, j'ai abattu l'un de ces fadas et j'avais une bonne raison de le faire. Donnez-moi une chance de tout vous expliquer. Pitié, je vous en prie, s'il vous plaît. Debout. Allez, lève-toi. Va t'asseoir là-bas et t'avise surtout pas de bouger. Trouvez-moi de quoi l'attacher. Tiens, Mike. Maintenant. Ça va s'arranger, on vous emmènera à l'hôpital bientôt. Ce saleté de gamin. Jamais je ne voulais leur faire du mal. Je sais. Je voulais je pas sais. Faire ça. Tu sais. Oui, je sais. Le coup de la lacrymo dans les yeux, c'est pas très fair play. T'es du genre dévergondé, ma petite siamois, j'aime ça. Espèce de gros enfant. Hey, arrêtez, ça suffit maintenant. Calmez-vous, ça suffit. Voilà, c'est fini. Calmez-vous. Ça va, calmez-vous. Toi, tu vas m'écouter. Je vais être très clair avec toi, t'as compris? Si j'entends la moindre remarque sortir de ta bouche alors qu'on t'a rien demandé... Je l'autoriserai à faire de toi ce que bon lui semblera. T'as compris? Je suis désolé. Il y a un truc qui cloche. Quelque chose me pousse à faire, à dire des choses diaboliques. Désolé. Est-ce que ça va? Maman me fait un mal de chien. Mais ça en valait la peine. Il était dans la même voiture du métro que moi. Il a voulu me... L'espèce de sale enfoiré. Mais maintenant t'es avec nous, on est là pour te protéger. Merci. Tenez le coup, petit. Mon nom, c'est John. On va tous vous aider, John. Vous en faites pas. Merci. Il va s'en sortir. Si on arrive à le soigner à temps, il a une petite chance, oui. Mais pour l'instant, il est intransportable. Allez, quoi ? Davis, je t'en supplie ! Laisse-moi entrer ! Ah, je t'en prie ! M'en veux pas, Frankie. C'est seulement que... Je préfère attendre l'arrivée des flics. Même de l'armée pour qu'ils viennent arrêter ces psychos. Davis, je jure devant qui tu veux, j'ai aucune idée de ce qui m'agouille. Putain, laisse-moi entrer. Attache-moi si tu veux, mais par pitié, vite. Je t'en prie. Ok, Franck. Je te laisse entrer. Mais si tu tentes quoi que ce soit, je te massacre la tranche. Alors fais pas le malin. Avez-vous remarqué ce qui se passe ce soir, autour de vous? Dans les rues,
C'est la bataille finale, mes enfants. Cela se joue entre Dieu et le diable. Lequel des deux accueillerez-vous au sein de votre cœur? L'heure est finalement venue. C'est la fin du monde. L'apocalypse prend le contrôle de la planète. Maintenant, avez-vous le signal? Les cloches ont retenti partout dans le monde. C'est le chaos total. Le chaos. Le chaos est arrivé. Et tous ceux qui seront encore en vie quand les trompettes de Gédéon retentiront, ceux-là seront condamnés à la damnation. Les morts répondront à l'appel du malin. Vous avez très bien entendu. Et Satan rassemble son armée infernale cette nuit. Alors écoutez-moi bien. Vous devez être fort. Dieu a besoin de vous. Moi, j'ai besoin de vous. Et les âmes de tous ceux que vous renvoyez dans les bras bienveillants de Dieu cette nuit, ont vraiment besoin de vous. Alors prenez vos poignards sacrés. Et faites ce que Dieu vous a dit de faire. Allez sauver leurs âmes, avant qu'il ne soit trop tard. Sauvez leurs âmes, mes enfants, je vous en conjure, allez sauver leurs âmes. Je vous en supplie. Je suis avec vous. Dieu a besoin de vous. Amen. Oh non! Pas ça! Oh mon Dieu! J'ai une explication à tout ça. C'était truqué. Toutes ces images étaient retouchées. Techniquement, les stations de télé sont tous sous contrôle tu pour nous faire croire que... Tu fais quoi tous ces gens qu'on a vus mourir? Ça doit être des images de synthèse. C'est rien que du pipeau. Si tu savais comme j'aimerais foutrement te croire. Enfin, ce mec est en plein délire. Vous n'allez pas me dire que vous croyez les conneries qu'il débite. En tout cas, tu as l'air bien sûr de toi. Ça va, mon pote. Si tu sais quelque chose, c'est vraiment le moment de le dire. Eh bien, vous voyez, je suis plutôt pragmatique. Je veux dire, et si le révérend disait la vérité? Parfois, j'ai tendance à le croire. C'est pour ça que je m'acharnais sur ces corps. Pour ne pas courir de risques. Et qu'ils ne reviennent pas me chercher. T'es un vrai cinglé. À quoi vous jouez? Pourquoi vous faites cavalier seul? Ils se prennent trop au sérieux. Ils ne pensent qu'à leur mission. Il faut se dépêcher de sauver les âmes. Et moi, ça ne m'amuse pas des masses. J'adore prendre mon temps pour faire plus ample connaissance. Ce que je veux, c'est pouvoir m'amuser avant de partir. Vous me croyez si je vous dis que je suis toujours vierge? Un garçon charmant comme moi. T'en penses quoi, Di? Tu veux bien me dépuceler? Fumier. Ce type est un psychopathe. Oui. Je pense que je vais être capable de marcher. On pourrait aussi le porter. On peut fabriquer un brancard. Non, il ne doit plus bouger, sinon... Écoutez, ce dont il a besoin, c'est de vrais soins. Vous comprenez? Oui, écoutez, je sais. On doit repartir. C'est notre dernier arrêt avant de remonter à la surface. Si quelqu'un doit aller aux toilettes, c'est maintenant ou jamais. Parce que moi aussi, je dois y aller. En fait, moi aussi, j'ai envie. Ah, moi aussi. Faites sur vous. Karen, je suis content d'être avec toi ici. Merci. J'ai appris aujourd'hui que l'une de mes patientes s'est suicidée en se jetant sous un train. Oh, tu crois qu'elle savait ce qui arriverait ce soir? J'en sais rien, mais... ça va te sembler curieux. Quand je m'apprêtais à prendre le métro ce soir, je l'ai vue. Et tout à l'heure, dans le tunnel, je suis sûre de l'avoir revue. Enfin, je crois. Je sais que tout ça paraît fou, mais... Karen, tu sais, dans ces couloirs, il fait si sombre, on y voit que dalle, et sans parler du fait qu'on soit mort de trouille, quoi que tu penses avoir vu. C'est sûrement dû à la fatigue. Mais... je vais être franc. Et je donnerai cher pour voir un fantôme.
Même un qui fasse peur. Parce que... toute preuve d'une vie après une mort serait une sacrée bonne nouvelle. Mais quel que soit le baratin que racontent tous ces charlatans là-dehors, jamais je ne pourrai croire en l'apocalypse, à un paradis, à l'enfer, à ces messagers de Dieu et tous ces faux prophètes. Je suis bien d'accord. C'est ce que me dicte aussi ma raison. Mais quand je me retrouve seule dans le noir, j'ai une peur incommensurable des fantômes et des démons. Et parfois du croque-mort. Eh bien, si tu croises un fantôme, ou un démon, ou un croque-mort, regarde-les droit dans les yeux. Et profite pleinement de cet instant. Car tu auras enfin la preuve irréfutable. Que l'au-delà existe, ou alors que tu te débloques. Oui. Et alors tu devras consulter. C'est bon que tu sois là, Mike. Merci à toi. Davis, vous me recevez ? Davis, est-ce que ça va ? Ouais. Ça fait du bien de vous entendre. Vous êtes où ? On est en sécurité. Dès qu'on le pourra, on vous enverra des secours. Faites très vite, surtout. Et faites attention à vous. Davis, répondez. Davis, est-ce que ça va ? Ne vous inquiétez pas pour lui, les enfants. Nous allons venir vous sauver. Dieu est amour. Oh, c'est pas vrai. Karen avait raison. Si on était resté là-bas, on serait déjà mort. On n'a plus le choix. Il faut y aller. Sarah, pars avec eux. Jamais je t'abandonnerai. Sarah, c'est trop dangereux. Je ne pourrai pas me défendre. Non, je retournerai pas dehors. Je préfère rester avec toi. On peut pas les laisser avec lui. Et vous proposez quoi, le tuer ? Mais... non. Quoique... il peut pas se détacher. Il ira nulle part. Faut y aller. Vous venez ? Non, mon Dieu, attendez! Ne vous en faites pas. Tout ira parfaitement bien. Ne me faites pas de mal. Je suis aussi un de vos membres. C'est vrai, moi aussi je suis un membre de votre église. Je vous en supplie. Savez-vous que le mensonge est un péché, mon garçon? Quoi? Mais nous allons quand même vous sauver. Franky, dis que je suis avec vous. Franky, je t'en prie. Hein? Désolé. T'es qu'un fils de pute. Faites pas ça! Non! Pitié! Non! Dieu, aidez-moi! Oh, mais mon cher enfant, ton vœu va justement être exaucé! Non! 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 Dieu est espoir! Ne vous inquiétez pas, Franky. Nous savons qui vous êtes. Bien sûr, Brenda nous a dit tellement bien sur vous. Elle vous aime et tient tant à vous qu'elle a même bravé la noirceur des tunnels pour venir passer cette dernière nuit en votre compagnie. Chérie, je t'attendais à l'arrêt du métro. Pourquoi tu n'es pas venu me retrouver ? Oh ma chérie, je suis tellement désolé. J'ai été retenu ici, j'ai rien pu faire. Oh. Mais heureusement, tu as l'air en pleine forme. Oui, Franck. Grâce à Dieu qui veille sur nous ce soir. Dites-moi, Franky. Brenda m'a dit qu'il arrive parfois que votre foi en Dieu vous fasse défaut. Ah non, 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 c'est entièrement faux. Je ne demande qu'à vous croire, Franky. Mais il va falloir le prouver à notre Seigneur. En sauvant Brenda. Envoyez-la rejoindre le royaume de Dieu. Sauvez son âme. Quoi ? Je t'en prie, Franky, tu dois le faire. Si, je suis sous l'emprise diabolique de Satan. Oh, si, je peux l'entendre. J'arrive à le voir, même.
Il essaye de me piéger. Il veut que j'abandonne la voix. Non. Il veut le bébé. Non. Tu dois l'en empêcher. Si tu m'aimes vraiment, si tu aimes notre Dieu, il faut que tu nous sauves. Non, non. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Notre bébé. Nous vous comprenons, Franck. Je t'aime, Vanya. Je t'aime aussi, mon Franck. Te voilà libéré. Frères et sœurs, entendez la voix. Te voilà enfin libéré. Dieu est espoir, Dieu est amour. Frères et sœurs, entendez la voix. Ces muffins ont l'air délicieux. Difficile d'arrêter d'en manger, n'est-ce pas, Sarah? Sarah Taylor. Ouais, toi aussi, t'es une de nos fidèles. Je t'ai vu souvent en célébration. Et je connais bien tes parents. Ils sont juste un peu coincés du cul. Ah, ça y est, tu te souviens de qui je suis? Tu es l'un des bras droits du révérend. Bingo! C'est bien ça. T'as une excellente mémoire visuelle. Tu sais quoi, Sarah? Les autres vont bientôt rappliquer. Ça ferait mauvais effet si je reste attaché et tu seras dans le pétrin. Un très sale pétrin. Alors il serait judicieux de me détacher le plus vite possible. Va te faire foutre! Tu sais, Sarah, je sais que tu as fait l'amour avec lui. Je sens cette luxure. Mais... Tu as renié ton vœu. Non. Maintenant que tu es impur, ton âme sera confrontée à un sacré dilemme. Quand je dirai aux autres que tu as péché dans ta chair, ils vont t'exclure à jamais, et ton âme ne pourra plus être sauvée. Ferme ta putain de gueule! Ils ne sont plus très loin. Je sens leur présence. Sarah, surtout ne l'écoute pas. Fais plutôt ce que je te dis, Sarah la pécheresse, ou ton âme damnée pourrira en enfer pour l'éternité. Tais-toi, mon sang! Pourriture! Mais qu'est-ce que tu fais?
Sarah, non! Fais pas ça! Brave fille, ton âme pourra peut-être être sauvée. Va chercher ton poignard, Sarah, et sauve-lui son âme! Délivre-le! Sarah! Regarde-moi! Je t'en prie, fais pas ça! Je t'aime tellement! Sarah, non, je t'en prie! J'y arrive pas! J'y arrive pas! C'est Sarah? Ou peut-être quelqu'un d'autre? Peu importe. Qui que ce soit, c'est déjà trop tard. Non! Arrête de bouger et sois une gentille fille. Non! Je vais t'aider à te purifier de tes péchés, ma chérie. Non! Non! On ne vous a jamais appris à frapper. Non! Cessez immédiatement! Betty, Dieu soit loué, c'est vous! Elle a rompu son vœu de chasteté avec ce mécréant! Et elle m'a ensorcelé! Elle a en elle ce pouvoir de perversion satanique! Mon enfant! C'est la vérité! Non! Non! Il vous ment! Je suis désolée! Je suis désolée! Cher enfant, tu as été souillée! Non! 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 Adieu et l'espoir, Dieu et l'amour, souple de cette sœur pécheresse! Patrick? Êtes-vous toujours aussi pur? Oh, ça oui, Betty. Aussi pur que l'air. Patrick, arrêtez d'être insolent avec moi! Je vous rappelle que je suis votre supérieur. Je suis désolé. J'ai eu un moment de faiblesse. Mais je vous jure, je n'ai pas perdu ma virginité. Et je serai toujours l'un des vôtres. Alors venez avec nous. Il nous reste encore tellement d'âmes à sauver. Restez où vous êtes. On vous tuera, je vous préviens. Écoutez-moi, faites demi-tour, on vous épargnera. Naël, votre chemise.
Mike, tu vas t'en sortir, je te le promets. Voilà. Tenez. Ça va, ça va. Ah, ça brûle. Aide-moi à le relever. Oh non, mon Dieu. Oh non, il est seulement amoché. Karen, écoute, allons chercher de l'aide, d'accord? On leur dira où il est, il s'en sortira. Question de l'abandonner. Tu peux partir si tu veux. Désolée, tu sais, je m'en veux. Non, tu as raison, Julie. Trouve-nous de l'aide. Neil, va rejoindre ta famille. Je vais rester avec eux. T'es sûr? Alors je vous envoie de l'aide dès que possible. Tenez bon. Merci. Mike, écoute, il faut que tu te lèves. Lève-toi. Oui, d'accord. Je vais y arriver. Allez, allez, allez. Dernier service. Essaie de les attirer à la prochaine intersection. Vas-y. Allez, va. Vire. Par là, les amis. Au vite, là-bas. Allez-y, continuez par là, moi je vais aller m'occuper d'elle. Laisse-les! Je les ai déjà sauvés! Tu es mon joli petit chaton. Il n'y a plus que toi et moi, ma belle. Tu sais que je n'abandonnerai pas avant de t'avoir trouvé. Tu entends, ma petite moule farcie? C'est l'heure fatidique.
non. Rappelle à lui. Il vous aime tellement. Vous allez être sauvés. Vous êtes sauvés. Frères et sœurs. Entendez la voix. Dieu est espoir. Dieu est homme. Tu es prise au piège, ma petite souris. Approchez, espèce d'enfoiré! Venez! Sale fumier, cassez-vous! Enfoiré! Enfoiré, ne touchez pas! Montre-toi, petite souris. Hein? J'y arriverai pas. Je peux pas. Thierry, on ne peut plus reculer. Je t'en prie, ne m'oblige pas à te forcer. Vas-y. Frère et sœur, entendez la voix. Dieu est espoir, Dieu est amour, frères et sœurs. Adieu, mon frère. Bien, je crois que nous n'allons plus tarder à savoir si c'est la fin du voyage. Ou bien allons-nous enfin assister à l'apocalypse? Ou à rien. T'en penses quoi? Tu sais, tout le monde a vu les signes envoyés par Dieu. À part moi. Comment je dois prendre ça? Que je ne faisais pas partie des plans de Dieu? Je ne suis pas si bien pour lui! Et qu'il aille se faire foutre! Au fait, en parlant de se faire foutre, il est finalement temps qu'on consomme notre idylle. Comme ça, on sera tous les deux bien tranquilles aux premières loges pour voir l'armée de Satan se lever d'entre les morts! Oh,
Allez. Si tu es gentil, je te ferai aucun mal. Ah, Dieu soit loué, Patrick! Ils sont tous morts! Ils ont tous pris leurs pilules! Allez! Il nous reste peu de temps! Bien sûr, Betty. Ah, oh, 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 te voilà sauvé. Oh. Bon. Écoute-moi bien attentivement, je vais être clair. Ou bien, tu te ramènes ici, pour baiser avec moi de ton plein gré. Ou tu préfères que je vienne, et là t'auras très mal. Patrick, ça suffit. Je suis prête à discuter. Mais calme-toi. Je comprends que tes pensées soient confuses à cause de ce qui est arrivé depuis ce matin. Mais si on peut parler, on trouvera sûrement une solution. Je suis désolé. C'est trop tard! Non! Non! Laisse-moi partir! Oh!
sisters, hear the voice. Hope is God, and God is love. Brothers, sisters, hear the voice. Hope is God, and God is love. Brothers, sisters, hear the voice. Hope is God, and God is love. Brothers, sisters, hear the voice. Hope is God, and God is love. All join his mission, together we will stand. Follow his light, hand in hand. The flock will grow and be as one when judgment day has finally come. Brothers, sisters, hear the voice. Hope is God, and God is love. Brothers, sisters, hear the voice. Hope is God, and God is love. Brothers, sisters, hear the voice. Hope is God, and God is love. Brothers, sisters, hear the voice. Hope is God, and God is love. Faith and hope, the weapons we trust. Fear no evil, victory for the just. Raise your voice, fulfill your destiny. In love and peace for eternity. Brothers, sisters,